Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Web Pétanque pour suivre ensemble le challenge Solidarité Handivalide à Arc-les-Grès. Et donc la partie que l'on vous propose, c'est la quatrième partie. Partie Handi plus féminine. Et la partie que l'on vous propose, c'est la partie qui opposera Sylvain Ledréau et sa partenaire Céline Janot face à l'équipe de Yannick Pourrette et Catherine Faubel. Allez, c'est la première main hein, dans cette partie. Vous n'avez absolument rien manqué. Alors que Sylvain Ledréau est à la pointe. Et il pointe parfaitement bien. Avec ce magnifique point juste derrière le bouchon là, comme on peut le voir. Allez, Catherine Faubel qui est dans le rond. Allez, juste un tout petit peu courte, hein. C'était pourtant bien tiré. Et c'est au tour de notre camarade Yannick Pourrette d'aller jouer. Alors là, c'est une partie de fauteuil, si je puis dire. Un petit peu courte Catherine sur cette boule. Ah, celle-ci elle est partie un petit peu à l'équerre. Hein. Allez, Sylvain Ledréau qui est dans le rond. Allez, c'est au tour de Céline Janot hein, d'essayer d'additionner. Ça va pas être simple hein, parce qu'il y a la boule juste derrière qui gêne. Et donc ça fait un point et ouverture du score pour l'équipe Ledréau. 1-0 à l'issue de cette main. Et on peut saluer bien sûr tout le mérite hein, de tous ces joueurs présents aujourd'hui à cette compétition. Vraiment, ils ont beaucoup de mérite. C'est pas simple de jouer par exemple dans un fauteuil roulant ou de jouer avec un handicap. Et pourtant ils arrivent très bien à le faire. Donc vraiment bravo à eux, bravo à tous. Alors bon, le bouchon qui a été envoyé extrêmement loin. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, on est vraiment le plus loin possible. Allez, Yannick Pourrette dans le rond. Ouais, belle boule, hein, bel appoint, bravo. Allez, Céline Janot. Oh. C'est manqué. Pas de beaucoup. Alors, on rappelle encore une fois le règlement pour les joueurs en fauteuil.
c'est la roue qui est côté du bras, qui tient la boule, qui doit être dans le rond. Et là, Sylvain qui s'est un petit peu égaré hein, sur cette boule. Ouais, là aussi, il a traversé le jeu. Allez, c'est au tour de Céline Jeannot. Ouais, super, bien envoyé, c'est repris. Très belle boule, hein, vraiment. Allez, c'est au tour de Catherine Faubel de tirer, c'est frappé. Oh, quel joli tir. Allez, Céline qui est restée courte sur cette boule. Allez, Yannick Pourrette, à nouveau. Oh, superbe envoi de boule, bravo! Oh, celle-ci aussi, elle est montée très très haute. Elle est venue parfaitement se glisser dans le jeu. Très bel envoi de boule, vraiment belle partie ici. Attention à ne pas toucher la boule de devant quand même. Même si cette boule était très bien jouée, attention à ne pas trop prendre de risques. Ah, celle-ci elle est restée courte. Bien trop courte qu'on la voit même pas là sur votre écran. Voilà, elle était là. Et donc 4 points sur cette main pour l'équipe Pourrette hein, qui a superbement bien joué, bien pointé. Et donc le score est de 4-1. Ouais, celle-ci, elle est bien jouée également. La première, elle a pris un tout petit caillou et il a traversé le jeu. Et là, il a bien, bien joué sa deuxième. Et c'est important hein, de regagner le point. Ouais, celle-ci, elle a été également bien envoyée. Ça ne doit peut-être pas suffire, hein, puisque...
Ah si, ça suffit. Ah, Yannick ne bougeait pas, donc je sais pas. Et au final, si, ça suffit. C'est sa partenaire qui lui a indiqué. Ah, il a traversé encore une fois. Ah, et Céline Jeannot qui a touché la boule de son adversaire. Alors, Catherine qui affirme que le point est toujours pour son équipe. Allez, Céline Jeannot, une nouvelle fois, pour reprendre le point. Et celle-ci, elle a dû gagner. Ouais. Je pense qu'elle a pris. Oh, il est venu se perdre sur le côté. Allez les amis, sur le direct, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager la publication. Vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous souhaitez que je le lise à l'antenne. Sous la vidéo, vous mettez un petit commentaire, un petit mot, ça fait plaisir. Oh. Alors que là, Catherine... elle a envoyé ses trois boules à la suite. Elle a envoyé ses trois boules et au final, le point reste toujours pour l'équipe Le Dréau. Et donc le score qui est de 4 à 2 à l'issue de cette main. Alors voilà, comme on joue en intérieur, hein, le bouchon doit être à 50 de la ligne. Ici on joue un règlement boulodrome, donc le cadre uniquement. Donc le bouchon doit être à 50 d'une ligne de perte. Donc ici toutes les lignes sont des lignes de perte. Voilà, Sylvain qui est venu à peu près 1m50, 2m derrière la boule. Ouais, celle-ci elle est bien jetée, bien montée comme il faut. Voilà, on voit le magnifique point hein, qu'a réalisé Yannick.
Alors, un petit peu courte, Céline. Mais cette boule, elle est belle. Hein. Vraiment, elle est plein jeu. La boule blanche est super bien jouée. Moi, je pense que ça aurait peut-être valu le coup d'aller tirer la boule qui est sur le côté. Hop, bah voilà, petite refente. Un carreau espagnol, comme dirait mon ami Jean-Luc Robert. On lui passe d'ailleurs le bonjour hein, s'il nous regarde. Waouh, ça c'est bien joué ça. Allez, bien tiré pour Catherine. Elle a encore tapé la boule devant là. Vous l'avez peut-être pas vu sur votre écran. Mais elle a tiré la boule blanche qui avait tout devant. Et en plus elle est restée sur le côté en faisant un petit palais. Ah et ça c'est bien pointé. Là il y a quand même un bon niveau de jeu dans cette partie. Alors, 2 points supplémentaires pour l'équipe Pourrette qui prennent une légère avance sur l'équipe Le Dréau. 6 à 2 dans cette quatrième partie. Voilà, et un jet de bouchon non valide. Allez, il y a de la place pour reprendre le point. Voilà, c'est fait par Sylvain. Ouais, ça c'est bien repris également ce point. Bien joué. Ouais, c'est bien frappé également hein, pour Céline. Vraiment une superbe partie. Oh, le petit coup de bouchon là qui a fait du bien à Yannick Pourrette. Il s'est fait le point hein, en traînant le bouchon. Je vais essayer de vous montrer ça dans quelques instants. On va laisser Sylvain jouer sa boule. Thank you.
Catherine Faubel, hein, qui est un petit peu courte sur sa boule pointée. Ah, c'était bien pointé hein, par Sylvain. Il est bien passé au jeu, hein, c'est dommage, il a un petit peu traversé. Pourtant, il était bien passé, hein, vraiment. Et on le voit vraiment hein, que c'est pas simple hein, pour les joueurs en fauteuil de se déplacer sur ce type de terrain. C'est des fauteuils qui sont pas forcément adaptés au terrain de pétanque. Et donc, il faut travailler tout à la force des bras. Donc, en plus de jeter les boules, il faut également... tourner les roues du fauteuil. Ça doit pas être simple. On essaiera de demander à Sylvain en fin de partie. En tout cas, c'est bien pointé hein, de la part de Céline. Qui ajoute 2 points à son compteur pour revenir 4 à 6 face à l'équipe Pourrette. Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien en direct sur Web Pétanque. Web Pétanque sur Facebook et sur YouTube. Facebook, nous sommes en direct pendant toute la journée pour le challenge Solidarité Handivalide. Dans ce magnifique boulodrome de Arc-les-Grès. Sylvain Ledréau qui a pointé. Ah, ça c'est une belle boule, hein. Bravo. Yannick Pourrette hein, qui a bien envoyé. Et donc au tir, Céline Jeannot. Alors elle a manqué la première. Voilà, elle y retourne, on la voit dans le rond. Oh, juste pas droit. Juste pas droit. On voit bien l'impact là. Allez, maintenant c'est à Sylvain de rattraper sa partenaire et de bien pointer. Voilà, il est passé derrière. Ouf, et là il est encore plus vite que la première qu'il a envoyée là. Ça déforme autant qu'à la télé les distances. C'est impressionnant quand même. Hein.
Alors, sur cette main, Catherine a tapé sa boule hein, qui était devant. Elle était un petit peu courte. Hein. Il fallait bien lever la main. Allez, autour de Yannick pour être faire quelque chose, hein, parce que maintenant il y en a 4 par terre. Voilà, maintenant il n'y en a plus qu'un. Vous voyez, il y avait 4 points par terre hein, pour l'équipe Le Dréo. Là, heureusement, il est venu tout couper. Voilà, c'est frappé. Et donc un point supplémentaire pour l'équipe Le Dréo. Et donc le score qui est de 6. Ah, le point était pour l'équipe Pourrette, pardon, je me le dis dans l'oreillette. Et donc ça fait 7 à 4, pardon. On va rectifier ça tout de suite sur le score. Voilà, merci le car régie hein, de nous avoir informé. Aïe aïe aïe, il a pas bien jeté sa boule là. Ouais, Sylvain là qui a totalement lâché hein, sur cette main. Il vient de perdre 2 boules. Ouais, celle-ci, elle aura au moins le mérite de faire tirer Catherine. Juste devant. Elle est juste devant Catherine. Elle a tiré la même. Elles sont bien tirées ces 2 boules. On est là dans le boulodrome, hein, ça pardonne pas. Hein, vraiment. Pourtant 2 boules bien tirées. Allez, sur le direct, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Faites-le pour ces hommes en fauteuil. Ils ont besoin de vous. Waouh, magnifique. Quel beau point. Superbement bien joué par Yannick.
Voilà, on prend même le temps de faire une photo. Hein. On voit vraiment l'ambiance ici qui est vraiment détendue dans ce challenge Solidarité Handivalide. Céline Jeannot qui a manqué. Oh, manqué deux fois. Alors, est-ce qu'elle va tirer une troisième fois? Je ne pense pas. Et voilà, elle va pointer. Elle s'est un petit peu égarée sur cette boule. Et donc, il semblerait qu'elle laisse le point à l'équipe Pourrette. Hein. Eh oui. Et donc, encore une boule dans les mains de Catherine Faubel. Point supplémentaire pour l'équipe Pourrette qui mène 8 à 4 dans cette quatrième partie. Et surtout, n'oubliez pas, soyez présents vers 18h pour la finale. La finale qui se déroulera ici à Arc-les-Grès sur le terrain numéro 9, lequel nous sommes en train de filmer. Alors la finale, ce sera vers 18h. En attendant, retour sur notre partie. 8 à 4 pour l'équipe Pourrette. Et là, le bouchon qui a été envoyé très très loin. Voilà, je vais vous le montrer. Puis là, c'est proche du jeu d'à côté. Comme je l'ai dit, les jeux ne sont pas très très larges. Allez, une belle boule, hein, jouée par Yannick. Ça laisse pas beaucoup de marge à Sylvain. Allez, peut-être que la stratégie aurait été d'aller y tirer avant de pointer cette boule. Même si elle est devant, elle est dans le jeu. Joli coup. Un joli coup que vient réaliser Sylvain ici. Hein. S'il a gagné le point, c'est super. Et apparemment, oui, hein, c'est le cas. Hein. Il a gagné le point. Puisque c'est Yannick hein, qui est parti dans le rond. Quelle devant de boule une nouvelle fois. Ah, malheureusement là ça ne suffira pas pour gagner le point. Ah, celle-ci il l'a accrochée, elle est restée courte. Elle est restée très très courte, on la voit à peine en haut à droite de votre écran, au-dessus du logo Web Pétanque. Voilà, on distingue la boule. Ça c'est super bien envoyé également. Bien arrivé cette boule. Et Céline Jeannot qui a fait tomber la veste pour laisser place au joli t-shirt rose Handi Pétanque moteur et visuel. Et si vous vous trouvez pas loin de l'événement, c'est-à-dire à proximité de Arc-les-Grès, vous pouvez venir au Boulodrome admirer ces champions, ces championnes.
Ouh, bien tiré, magnifique. Et il y a également le stand Andy Pétanque, moteur et visuel, qui est présent. Si vous souhaitez acquérir des t-shirts, des casquettes ou même des cochonnets, j'ai vu qu'il y avait également des super aimants. Tout ça, c'est au stand Andy Pétanque, moteur et visuel, au boulodrome d'Arc-les-Grès, où nous sommes actuellement pour ce super challenge Andy Valide. Allez, Catherine qui est à la pointe. Un petit peu courte cette boule, mais elle a au moins l'honneur de boucher le jeu par la droite. Là, à droite, le jeu il est totalement bloqué. Et là, la tâche va pas être simple pour l'équipe Ledréo. On voit, voilà, Sylvain et Céline qui sont en pleine réflexion. Il y a deux belles boules devant, une boule à droite qui coince un petit peu. Allez, faut essayer de passer. Ouh là là. Alors je sais pas si c'était volontaire hein, ce que vient de faire Sylvain. Voilà, donc en fait il voulait jouer la sienne. Et il a mal piqué, il a pris l'autre boule d'à côté. Et donc un point supplémentaire hein, pour l'équipe Ledréo. Et le score est de 5 à 8. Voilà, il y a eu un petit moment d'attente hein, puisque une personne était en train de crier à l'arrière, ce qui a déstabilisé un petit peu tous les joueurs hein, dans le boulodrome. Voilà, et ça n'a pas déstabilisé Sylvain qui a bien pointé. Ouais, belle reprise de la part de Yannick. Ouais, celle-ci, il l'a mis où il fallait, hein, en contre. Quel tir de Céline, magnifique, vraiment superbe. Alors elle a pris le contre, hein, mais c'était quasiment obligatoire. Et maintenant au moins ils défendent un joli point devant. Ouais, une belle boule jouée par Catherine. Elle a repris le point. Allez, Céline Jeannot, une nouvelle fois dans le rond. Oh. Ah, c'était pourtant très très bien tiré. Elle est simplement tombée derrière.
Allez, elle va se donner une seconde chance sur cette boule. Ouh, carreau bien tiré. Céline, depuis qu'elle a posé la veste, ça y est, elle tape les boules. Ouais, ça c'est encore une très belle boule hein, qui a été jouée par Catherine. Alors, on va faire les comptes à la fin de cette main. Alors, Catherine est partie chercher un mètre, il me semble. Ouais, c'est Céline qui va lui donner. Alors, le verdict, c'est un point supplémentaire pour l'équipe Pourrette qui mène 5 à 9. Alors que nous venons à l'instant de passer la 45e minute de jeu. 9 à 5 en faveur de l'équipe Pourrette. Cette partie. Allez, un jet de bouchon qui n'est pas valable une nouvelle fois. Et c'est Céline qui va le poser. Oh, Sylvain qui s'est un petit peu aidé de la boule devant là pour venir. Allez, Yannick Pourrette qui est à nouveau dans le rond pour reprendre ce point. Il est vite. Il a traversé le jeu là sur cette boule. Et il a encore une nouvelle fois traversé le jeu. Alors là, il a envoyé deux boules totalement derrière le jeu. Il est vraiment 2 mètres derrière. Allez, Catherine qui a également traversé. Oulala, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe Pourrette? Voilà, une belle boule qui est devant. Vous voyez où c'est qu'ils ont joué leurs trois boules. Hein. Ils les ont jouées vraiment derrière. On ne sait pas ce qui s'est passé. Thank you.
Allez, encore 3 boules dans les mains de Céline. Alors manqué double hein, pour Céline. Je ne sais pas si elle tirait pour faire de la place ou si elle tirait au point. Ça, il faudra voir à la fin de la main. Ah, cette fois, c'est sûr. Cette fois, c'est sûr. Le point est pour l'équipe pourrette. Hein. Il faut que Céline l'enlève, cette boule. C'est primordial hein, si elle veut marquer dans cette main. Allez, va. Et c'est une main qui est compliquée hein, pour l'équipe Lodréo. Ils avaient pourtant fait le plus dur hein, en faisant jouer les 6 boules adverses. Allez, Sylvain Ledréau qui va aller tirer. Il en a tiré qu'une dans cette partie. Il l'avait manqué. Ah, c'est manqué de nouveau. Ouais, ils s'en sortent bien, les joueurs de l'équipe pourrette. Et donc, le score est de 10. 10 à 5 à l'issue de cette main. C'est vraiment une main donnée. Allez, on attend le jet de bouchon de la part de Yannick qui est déjà dans le rond. Hein. Yannick qui est déjà... Voilà, il est prêt. Ah, le bouchon a même déjà été envoyé. Ah bah, vous voyez, j'ai même pas vu le bouchon. Alors... Ah, Yannick qui a traversé le jeu un petit peu là. Oh, et celle-ci s'est égarée. Celle-là, on l'a vu belle aussi. Elle est pourtant bien arrivée face à la boule noire. Et elle a tourné au dernier moment. Elle est passée juste à côté. Allez, c'est la même celle-ci. Cette fois, elle n'a pas tourné. Bien joué. Hein. Vous allez voir, elle est vraiment juste à côté du cochonnet là. Alors Céline qui n'a pas bougé, donc le point doit être encore pour l'équipe de Sylvain.
Voilà, celle-ci elle est bien aussi. Et là maintenant il va falloir jouer stratégiquement. Allez, c'est bien frappé, ça fait de la place. Allez, Sylvain, maintenant qu'il a toute la place de jouer face à sa boule. Ouais, il est tombé un petit peu de travers, il est parti sur le côté. Non, elles sont pas bien envoyées là, ces boules. Après, je comprends que ça doit pas être évident hein, de jouer dans un fauteuil. Ça fait maintenant presque une heure hein, qu'il pousse son fauteuil sur la partie. Les rencontres ont commencé ce matin à 9h30. Donc je comprends que les boules parfois elles ont du mal à sortir de la main. Ouais, donc ça fait un point de plus pour l'équipe Lodréo. 6 à 10 donc à l'issue de cette main. Ouais, belle boule, bien pointée par Yannick. Yannick Pourrette là qui a mis un petit cran au-dessus là. Oh, il est passé juste par-dessus le cochonnet. Il n'a pas eu de chance. Hein. Il aurait pu le traîner un petit peu. Il a vraiment sauté par-dessus le but. Oula, cette boule est restée. Elle est restée plantée, elle n'a pas avancé. Et celle-ci, elle s'est totalement déviée. Aïe aïe aïe, je pense que ça sonne la fin de la partie. Encore 5 boules en main. Après quasiment une heure de jeu. Aïe, restez court aussi Yannick sur sa boule. Aïe, c'est vraiment une main de gagne ici pour l'équipe Pourrette. Ouh, il a envoyé un TGV.
Allez, il faut que Catherine fasse l'effort. C'est important si elle veut finir la partie. Allez, faut absolument la mettre aussi. Ouh, elle a pas rien fait là avec sa boule. Alors, il y en a deux, ça c'est sûr. Et ce sera tout, hein, je pense. Et ça fait 12. Aïe, aïe, c'est une mine de gagne qui s'envole. Mais ça fait 12 quand même. Allez, le cochonnet qui a été envoyé, on le voit déjà sur votre écran, à gauche du terrain. Ah, il a été bougé hein, par Céline, hein, là. Vous l'avez vu, pile au moment où j'ai fait le zoom. Céline, elle a décidé de changer le cochonnet de place. Et là, Yannick, il est passé derrière une nouvelle fois. Allez, Sylvain Le Dréau qui a repris ce point. Et donc Yannick qui doit à son tour faire de même hein, s'il veut avoir l'avantage sur cette main. Attention, oh, il a un petit peu dévié sous le côté. Et cette fois-ci, il est encore une fois un petit peu long. Bah, depuis le début de la partie, hein, c'est une main en faveur de l'équipe Le Dréau, une main en faveur de l'équipe Pourrette. Cette fois-ci, il semblerait que ce soit une main en faveur de l'équipe Le Dréau. Ouais, il y a le feu là du côté de l'équipe Pourrette sur cette main. Ils ont manqué la gagne, la main juste avant. Et là, ils viennent de perdre 5 boules sur un point à 80. Attention à ne pas se faire remonter trop vite. Ouh, le bec. Merci le bec pour revenir dans le jeu. Sinon, je pense que cette boule était partie également. Allez, 5 boules de marque dans les mains de l'équipe Le Dréau. Voilà, c'est fait. Déjà un point par terre. Oh, ça c'est bien envoyé également. Bouchon plein. Ah, celle-ci aussi, elle est bien envoyée. Il y en a trois. Ah, si Céline a le bonheur de mettre les deux siens, ça ferait 11 à 12. Aïe, celui-ci, peut-être pas.
Et celui-ci, il devrait y être. Hein. Ça doit faire 4 si mon compte est bon. Et donc... 5 même. Ah oui, donc il comptait également, hein, celui du côté. 11 partout. Ah non, 11 à 12, pardon. 11 à 12, hein, donc toujours l'avantage en faveur de l'équipe Pourrette. Ah, bien pointé, bravo Sylvain. Bien envoyé hein, cette boule. Attention à Catherine Faubel. Hein. Tout à l'heure, elle nous a sorti 3 frappes. Magnifique. Et là, sauté. Ouais, petit écart quand même. Fin derrière environ. Ah, ça aurait mérité d'y retourner, hein, je pense. Parce que le point, malgré tout, le point de Yannick est défendable. Hein. Et là, il est pas facile à regagner. Voilà ce que je disais. Allez, c'est regagné par Yannick. Allez, Céline Jeannot. Pour frapper cette boule. Hein. Allez, c'est important pour rester dans la partie. C'est fait. Elle a pas levé sa boule, elle est pas montée celle-ci. Et donc c'est une mène de gagne cette fois-ci pour l'équipe Le Dréau. On essaiera d'aller interroger Sylvain à la fin de cette partie bien sûr. Allez, pointé gagné ou tapé gagné. Ah, tapé gagné, elle a choisi. Ouh, c'est touché. Mais ça n'a pas suffi. Allez, elle va y retourner sans doute, Céline. Oui, oh, celle-là, elle a pas dû l'avoir manqué. Wow, celle-ci, elle était excellemment bien tirée. Allez, Sylvain, qui a encore... une boule. Et donc 12-12 dans cette partie.
12 partout. Ça va donc être la dernière main, à moins que le cochonnet s'en aille. Mais ça y est, nous rentrons dans la dernière main de cette partie, après 1h10 de jeu. Voilà, et l'arbitre en plus qui siffle la fin du temps. Et comme les parties ne peuvent pas finir sur une égalité, ils sont obligés de faire une dernière main. Donc dans tous les cas, ce sera la main décisive, hein, vu qu'il y a 12-12. Les joueurs doivent jouer une main supplémentaire. Allez, l'engagement pour Sylvain. Merci à tous ceux qui regardent ce direct. Vous êtes peu nombreux là en ce moment sur le direct. En même temps, il est 4h, vous êtes sans doute sur les concours. Vous êtes sans doute en train de jouer à la pétanque chez vous, entre amis. En tout cas, merci à ceux qui sont présents. Et surtout, soyez là à 18h pour la grande finale, ça se passera sur Web Pétanque, sur la page Facebook, juste ici, au-dessus. Web Pétanque, la page Facebook qui proposera la finale aux alentours des 18h. On n'a pas encore l'horaire exact. Alors que là, pour l'instant, Yannick vient de se perdre trois fois, hein, sur ce point. Ouais, un point qui est pourtant en 30-40 derrière. Il n'a pas réussi à venir dans le jeu. Ouais, celle-ci, elle est belle, elle est bien envoyée, elle a gagné. Et donc c'est une boule importante, hein, dans les mains de Céline Jeannot, elle le sait. C'est manqué. Allez, nouvelle chance pour Céline. Oh, belle reprise, hein. Celle-ci, je pense qu'elle a gagné, hein. Elle est magnifique. En tout cas, si elle n'a pas gagné, ça donne encore une fois l'opportunité à Céline d'aller tirer. Mais moi d'ici, je dirais bien qu'elle a gagné. Ah, ça me demande peut-être un coup de maître, non? Non, Céline leur donne directement le point. Allez, c'est parti. Donc Céline qui va aller tirer cette boule. Là, c'est important de la frapper. On oublie les deux trous qu'on a fait juste avant. On essaie de la pousser. Ouh, c'est chiqué. C'est chiqué, mais pas du bon côté. Ah, ça doit pas suffire. Hein. Si. Ah, si, ça a suffi. Heureusement. Heureusement que cette boule a été touchée.
Et voilà, c'est fini. Victoire de l'équipe Le Dréau face à l'équipe Pourrette sur le score de 13 à 12. Allez, n'hésitez pas sur la page Facebook à vous abonner à Web Pétanque. On sera en direct jusqu'à la finale. La finale se jouera vers 18h. Surtout, soyez présents. Ça annonce du très très lourd. On a encore de très très belles équipes qui sont en course. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook et on se dit à tout à l'heure. Ciao !